Salut à tous les amis, c'est Laurent Touplet, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Surprise an Architect. Oh yeah! Et donc aujourd'hui, voilà, alors je vous explique une petite chose, je viens d'essayer de tourner la vidéo une première fois, sauf que comme un crétin, oui parce qu'il faut faire très gaffe, comme un crétin, eh ben, j'ai acheté cette parcelle de terrain en cliquant. Voilà, ici je voulais embaucher des workmen. Et comme un crétin, eh ben, j'ai acheté la parcelle de terrain. Et voilà, donc c'est absolument pas ce que je voulais faire. Résultat, ben, j'ai pris la sauvegarde automatique. Ce que j'aurais dû faire pendant que je filmais, c'était un petit peu stupide, mais bon, j'ai effacé le fichier vidéo. Enfin bref. Donc je redis ce que je vous ai dit, enfin ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Donc je disais, je sais plus ce que j'avais dit. Oui, donc j'ai pas réglé le problème des drivers, mais ça, bon, on s'en fout. Je tourne en multisample. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, vous aurez un peu moins de vidéos cette semaine, puisque je suis un peu pris. C'est ma dernière semaine de vacances, faut que je bosse. Et puis j'ai un pote qui vient à la maison. Bref, vous aurez peut-être une ou deux vidéos, mais sachez en tout cas que je reste actif et que je répondrai à vos commentaires et à toutes vos interrogations. Voilà, entre autres, je vous ai posté le live, j'espère qu'il vous plaît. Ne le regardez pas en grand écran, c'est un conseil, la qualité est immonde. Et mon Dieu! Ah, mais en plus, je tousse. Mon Dieu, panne électrique! J'en perds mes mots. C'est la panique! Alors voilà, ça me permet de vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Alors, tout d'abord, éteignez la power station. Cliquez dessus, switch off. Veuillez installer ensuite deux nouvelles batteries, donc 5 ou 6, hein. Ah, on vient de gagner de l'argent, moins 4000, ouais, les capaciteurs, ouais, ça m'a coûté cher. Et on gagne plus que 800 par jour, c'est un peu moins. Donc voilà, vous éteignez votre power station, vous installez les capaciteurs, donc vous attendez qu'ils le fassent, vos ouvriers. Ne paniquez surtout pas, bon, ça va juste empêcher vos cuisiniers de faire la bouffe. Voilà, ce qui est un petit peu contraignant. Bon, il y a un petit bug de chiffres ici. Toujours plein de petits bugs. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, ils vont les installer. C'est parfait. Donc ça me permet aussi de vous dire ce que j'ai fait pendant les 10 minutes où je parlais. Enfin, ou de la précédente vidéo. Donc j'ai augmenté un peu la laverie. Enfin, j'ai rajouté du mobilier dans la laverie. J'ai aussi, dans le régime, voilà, j'ai donné du temps. Enfin, 2 heures par jour. Donc de 4 heures à 5 heures. Pour le travail des prisonniers, vous voyez, dans la laverie, il suffit d'aller, donc vous mettez du temps de travail dans le régime, et ensuite vous faites job et hop, voilà, la laverie. Donc on peut, les prisonniers peuvent travailler. Pareil pour la cuisine, j'ai mis 3 prisonniers, ben, les 4 prisonniers à la cuisine, et ici on peut en mettre un maximum de 20 prisonniers dans la laverie. Donc on va en mettre une tripotée, hein, 6, 12, 13, 14, 15, on va en mettre 15, voilà. Et comme ça, 2 heures chaque jour, ils iront travailler à la laverie pour laver leur propre tenue. Voyez, donc ici, les capaciteurs ont été installés. Vous n'avez plus qu'à switcher on. Et voilà. Ah merde. Hein? What? Non, 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 ça ne se passe pas comme prévu. Ben si. Normalement c'est bon là. Voilà, switch off. Switch on normalement. Ah oui, non, voilà. Bon, en plus je vous raconte n'importe quoi. Non, alors attendez. À ce niveau-là, lui s'est bloqué comme un autiste. À ce niveau-là, d'ailleurs. Ah merde. Notre ami Virio joue à Total War. À ce niveau-là, vous devez switcher en off toutes, absolument toutes les batteries. Voilà. En ayant au préalable switché en off la power station. Voilà. Vous switchez en off absolument toutes les batteries. Alors j'en ai sûrement déjà fait. Et vous les rallumez toutes une par une. Switch on. Switch on. Switch on. Voilà, vous faites ça pour toutes les batteries présentes autour de votre power station. Voilà. Et à ce moment-là, tac!
Vous rallumez votre power station et voilà, la panne électrique est terminée. Bon, ça a mis en retard les cuisiniers, je suppose. Putain, j'espère pas. C'est bon, l'eau est revenue. Oui, parce que quand il n'y a plus d'électricité, c'est un peu la merde. Bon, j'ai pensé pas mal. Oui, alors, aussi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai construit le bâtiment qui va me permettre de faire le workshop, puisqu'on doit réaliser un contrat. Un des nouveaux contrats qui font partie du mode donc, que j'ai installé la dernière fois, dont je vous avais parlé. Donc pour gagner 2500, il faut qu'on construise donc le workshop avec deux presses et deux scies. Donc là où ils vont fabriquer les plaques d'immatriculation, il me semble. Donc on va le faire tout de suite. C'est où? Workshop, voilà. Donc ça va être une grande salle, hein. La plupart des prisonniers vont travailler là-bas aussi. Donc je vais peut-être réduire l'effectif dans la laverie. Ouais, je vais en mettre beaucoup moins. Parce que j'avais pas pensé à ça. Donc voici le workshop. Alors, dans un workshop, de quoi avons-nous besoin? Alors oui, alors il nous faut des scies et des presses. Donc on va en mettre bah, une tripotée, hein. Alors on va faire un côté. Alors ça c'est quoi? C'est les presses. Ouais, ça c'est les scies. On va faire un côté scie. Bah, on peut pas les tourner par contre, ça c'est un peu chiant. Bah, ici on va faire un couloir, ouais. Un endroit où ils pourront évacuer les prisonniers. Voilà, donc on va faire un côté scie. Par contre c'est 1000 dollars la pièce, donc voilà. On va faire. J'ai fait 8 presses. Workshop. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai gagné 500 et j'ai perdu 2500. J'ai pas compris. Bref, c'est pas grave. Ici, on va mettre. Pareil, des presses. Et on va mettre des bancs. Voilà, pour qu'ils puissent s'asseoir. Bench. Grand completion payment. Alors je gagne de l'argent, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Ou plutôt j'en perds. Je sais pas exactement ce qui se passe. J'ai pas trop compris. Bon, c'est pas très symétrique, mais c'est pas grave. Donc ici ça va me permettre de mettre des bancs pour qu'ils puissent s'asseoir. Voilà. Voilà, des bancs pour qu'ils puissent se reposer. Voilà, ici, quelques bancs. Là, je sais pas ce qu'on va mettre. Pareil, des bancs, je pense, hein. Voilà, des bancs. Ok, bah c'est bon. Des bancs pour qu'ils puissent s'asseoir. Ici, on mettra une porte. Donc, ils installent tout ça. Et on va pouvoir donner job. Voilà. Et là, on va mettre la masse de prisonniers. Par contre, ici, vous voyez, on va baisser. On va réduire à. Ouais, ils ont pas besoin d'être beaucoup. On va réduire à 6. Et là, on met la masse, hein. On met tout le monde quasiment. Pendant qu'il y en aura 3 qui iront bosser à la cuisine. Voilà, donc quoi? Comment il m'a construit ça? Ah oui, mais ils ont ça se construit bizarrement. Ah oui, il faut en plus de l'électricité, d'accord, ok. Donc on va relier ça au secteur. C'est bizarre ça. Ouais, c'est étrange. Bon, bref, cherchez pas. Ok, voilà, ça c'est fait. On va mettre d'ailleurs une caméra de surveillance à l'intérieur. Nickel. Même deux, je sais pas. On va en mettre une pour l'instant. Ça fera l'affaire, voilà. Donc ça c'est nickel. On va remettre une autre porte ici pour augmenter la sécurité. Et on va bien sûr mettre, putain, j'allais oublier, les détecteurs de métaux. Aha, pour éviter le trafic de fourchettes ou de couverts en tout genre. C'est très utile. Détecteur. Voilà, on va en mettre deux. Ça va me coûter un peu cher, mais bon. Hein. J'ai de l'argent grâce au mode de contrat. Qui est très utile. Donc voilà. Ah, c'est vraiment bizarre comment ils les construisent, hein. Bon, maintenant je saurai, je décalerai d'un cran. Parce que là, ça fait un peu moche. Voilà, donc le danger est faible. J'arrive dorénavant à garder le contrôle de ma prison. C'est ça qui est plutôt sympa. On va enlever un garde ici. Et on va enlever un. Non, c'est bon. Donc, les matériaux sont arrivés. Alors, les prisonniers, je ne sais absolument pas ce qu'ils font. Ah oui, c'est encore le. D'accord. Ok. C'est le matin très tôt. La bouffe a pu être préparée. C'est parfait. C'est parfait. Alors, par contre, le réveil, je l'ai mis à quelle heure? Shower, ok. Ah oui, c'est vrai, à 8h, c'est la douche. 8h, 8h, c'est la douche. La bonne de douche. Ici, je voulais mettre un mur aussi, tiens.
Voilà. Avec une porte. Alors, une staff d'or, bien évidemment. Mais aussi une double jail door, là où il y a les solitaires, oui. Voilà, l'électricité, ça manque un peu. On va relier tout ça au secteur. Non, c'est bon, ça, j'ai mis. Ok. Donc, ils ont presque eu le temps de se doucher, normalement. Notre concierge qui fait le ménage. J'ai l'impression quand même que le trafic de fourchettes internationales hein, s'est calmé quelque peu. Voilà, ça c'est bien. Trafic de fourchettes calmé, le danger monte un tout petit peu. Ouais, mais mine de rien, on arrive quand même à les satisfaire maintenant. Hein. Depuis que j'ai fait le deuxième... comment ça s'appelle? Le deuxième bloc de cellules. Ah, ici c'est pas relié à l'électricité, tiens. Je vais le relier. Ici, je me rends compte que j'ai pas fait de détecteur de métaux non plus. Il faudrait peut-être que... Pardon. Que j'en fasse dans la cour. Ouais. D'ailleurs, je me rappelle avoir vu un autre contrat. Bookworm. Some of the prisoners like to read as this keeps them happy. Ok, ils veulent lire. Donc j'accepte le contrat et on va installer à nos petits prisonniers, on va installer des bibliothèques dans leur petite cellule. Voilà, et ça va me permettre de gagner un peu d'argent. C'est vrai que ça pourrait leur faire plaisir. On va continuer. Et ils préparent déjà la bouffe, les cuisiniers, pour le repas de midi. Voilà, c'est free time. Le problème, c'est quand c'est free time, les prisonniers vont pas trop voir leur famille. Ça, c'est un peu con. Voilà. On va s'attaquer maintenant à ces cellules-là. Ça coûte que 30$. Ok, c'est nickel. Et plus tard, peut-être qu'ils auront des télés. Hein. Mais ça, c'est dans longtemps. Donc voilà, là, ça s'est calmé. On va en pouvoir voir, enfin, pouvoir voir à quoi ça ressemble. Attendez, là, je vais mettre un métal. Ah non, il y en a déjà un. À quoi ça ressemble les. Il y a la common room aussi. D'ailleurs, j'avais fait la common room. Mais j'ai pas l'impression qu'ils vont souvent. Ah, mais c'est que je l'ai mis en noir, staff only. Putain, mais je suis idiot, j'ai oublié de la remettre en. D'accord, ok, maintenant ils vont pouvoir y aller. Common room, vous voyez? Il y a une chaise qui. C'est pas mis, il y a une télé, des billards, voilà. Vu que j'ai de l'argent, j'y pense, je vais pouvoir enfin la décorer, ma prison, avec des sols spéciaux. On va pouvoir mettre du carrelage dans la laverie, vous allez voir, ça va être sympa. On va enfin pouvoir faire des chemins. D'ailleurs, on va le faire. On va expérimenter tout ça ici. Concrète. Oui, alors faut savoir que les sols sont pas inutiles. Hein. Ça permet aux gardes et aux prisonniers, par conséquent, de se déplacer beaucoup plus vite. Vous voyez par exemple, concrete tiles, walk speed fast. Voilà, les prisonniers en cas de problème pourront se déplacer beaucoup plus vite. Et on peut voir si c'est spécifique à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc ça nous indique. Metal floor, indoor only. On va mettre mosaic floor. Outdoor. Concrete floor. Indoor. Face. Walk speed. Bon, on va mettre du concrete. Ah oui, non, mais merde. Ah oui, fuck. Ça considère que c'est dehors. Ok. On va mettre du concrete. On va mettre du concrete. Concrete. Voilà, c'est nickel. Je vais pouvoir aussi. Alors, je sais pas. Plus ce que je voulais construire ici. On va faire la salle ici. Le problème, c'est que je sais plus ce que je voulais y mettre. Alors par contre, ouais, c'était ça, il me semble. Je sais plus ce que je voulais y mettre dedans. Mais en tout cas, je voulais la faire. Merde. Alors, on va voir dans les rooms. Morgue, infirmerie, sécurité. La salle d'exécution peut-être. Sauf que c'est pas très très utile. Peut-être les chiens. Ouais, on peut mettre les chiens ici. Bon, on va pas les mettre à l'extérieur, on va les mettre à l'intérieur. Hein. Ah, le workshop a l'air de fonctionner, j'ai l'impression. Par contre, j'avais oublié de relier l'électricité ici. Ouais, ça va faire un sacré boucan. Ça va faire un sacré boucan.
Oula, pourquoi il passe par là maintenant? Oulala. Ah oui, par contre, ce serait intéressant que je mette un garde là, voire deux gardes là. Qui puisse. Non, un garde là et un garde là, qui puisse ouvrir les portes. Voilà. Et on va d'ailleurs. Tac, mettre une patrouille. Ici, voilà. Et mettre une patrouille ici aussi. Histoire de voir, de dénicher des trafics de couverts, comme on aime ici, bien ici. Voilà. C'est parfait. Voilà. En plus de la caméra qui, je ne sais pas pour. Light? Non, ça c'est une caméra. Bref, ils ont l'air un peu cons. Ouais, donc j'ai réalisé le contrat. Bon, bah voilà, j'ai plus de contrat maintenant. Faut que je fasse gaffe à pas faire la même connerie et acheter les différentes parcelles de terrain. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a les quatre côtés, donc on pourra faire de l'autre côté de la route. Ça peut être marrant. On peut faire ici, mais bon. C'est pas trop mon intention pour l'instant. Ok, la bouffe a été préparée. J'espère que. Alors on va voir combien de prisonniers on va nourrir. Attention, je vous guette, hein. Lui, il fait peur avec sa marque Broomfield. Ah. Oh, le marteau! Alors lui, il innove, lui, hein. Recherche et développement, moi je dis, hein. Là, il y a de l'innovation, comme on peut voir, hein. Marteau. C'est un peu plus. Comment dire? Un peu plus méchant. C'est un peu plus dur qu'une fourchette, quoi. Ah, voyez le concrète. Open. Voilà à quoi ça ressemble le concrète. Concrete floor. Bon, c'est sympa. Par contre, là, ils en chient pour installer les bibliothèques, nos amis les workmen. Ils sont pas beaucoup en plus. Ils ont ce bâtiment à construire. D'ailleurs, ici, on va mettre une porte. Staff only, hein. À moins que. Non, on va mettre une jail door quand même et une staff door à l'arrière. Voilà, comme ça. Et ici, on va mettre les chiens. On va pouvoir embaucher des chiens pour dénicher de la drogue ou d'autres substances illicites qui n'ont pas lieu d'être dans cette prison. D'ailleurs, ici à la holding cell, on va peut-être pouvoir virer les liens de ces quatre. Par contre, déploiement là, pourquoi il y a un prisonnier qui patrouille? Attendez, c'est peut-être à cause des patrouilles. Non, même pas. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Toi, viens ici, je sais pas, fais quelque chose. Fais quelque chose! Federal Grant. Ouais, je gagne pas énormément. Hein. C'est pas la folie. Mais bon, les contrats m'ont permis d'accumuler une certaine somme d'argent. Ouais, c'est assez tranquille. Donc, on va pouvoir faire le sol. Bah, tiens, on va le faire maintenant, hein, vu que, bon, on a que ça à faire, on va dire maintenant. Pour l'instant. Dehors, qu'est-ce qu'on va mettre comme sol? Paving stone. De la route. Non, pas de la route. Pas de l'herbe. Du gravier, non. Peut-être du concrète. J'hésite. Ah, j'hésite, je sais pas quoi mettre dehors. Ouais, on va mettre du concrète, hein. Bon, ça va faire bizarre quand même. Ça fait comme ça là. Ouais, mais si ça peut faire. Si ça peut. Ça peut le faire, ça. Alors ici, je suppose que c'est que les indoor. Ou alors la pierre. Ok, ils ont construit. Alors par contre, oui, vous êtes gentil, mais. Ici, vous me remettez une porte. Ah là là, au peine, ils ont toujours du mal à se déplacer ici. Hein. Ouais, donc, faut pas que je me fasse déconcentrer là. Que je me déconcentre. Si je voulais faire une salle aussi, je sais plus pourquoi, mais je voulais faire un cône arbre. Donc, c'est parti pour la pose du sol concrète. Alors, on va en suivre mon planning. Alors ça va me coûter la peau du zboub. Ouais, ça va me coûter la peau du zboub. Bon, ah oui, ici je voulais faire quelque chose aussi. Auto saving. Ici je voulais faire des chiottes. Alors oui, me demandez pas pourquoi. D'ailleurs, on va pas mettre de porte. Enfin si, quoique, on va mettre des portes. On va mettre des portes, mais juste des portes basiques.
Voilà, que tout le monde puisse rentrer. Et à l'intérieur, on va mettre quoi comme sol? Ah, mais je suis con, j'aurais dû faire une salle. Bref, c'est pas grave. On va mettre du... Ah, mais je peux pas, résultat. On va mettre du concrète aussi, hein, vu que c'est dehors. Quoique... On va mettre de la paving stone. Voilà, ça va le faire. Ouais, et les murs. Alors, je sais plus si je les ai mis là, non. Et on va mettre des chiottes. Ils ont du boulot, les work-work, hein. On va mettre des portes. Alors oui, pourquoi faire des chiottes ici? C'est une excellente question. Alors pourquoi il veut pas me la mettre comme ça, écoute. Hein. On va faire l'entrée d'eau. Putain, j'ai plus que 18 000. Ouh là 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 là, faut que je fasse attention au budget quand même. Hein. Ils sont toujours en train d'installer les bibliothèques. Les bibliothèques. Oh putain, il faut que je fasse gaffe encore à ça. Bon, attendez, pour être vraiment pépère niveau élect. On va rajouter deux capacitors, hein, comme ça. On est sûr, on a plus que 16 000 de thunes, faut que je fasse gaffe. Mais on va continuer à paver, écoutez. Hein. Concrete till. On va continuer. Hein. Voilà. 1200. 1500. Bon là ça va, ça reste raisonnable. J'ai plus que 13 000. Ouais. Je crois qu'on va faire encore ça. 11 000. Et voilà. C'est bon! Normalement, j'ai tout pavé là. Ouais. Ah non, pas là. Voilà! Il me reste 10 000. Bon, bah voilà, c'est. C'est nickel ça. Et on aura enfin une prison assez, assez jolie. Ah oui, mais non, j'ai 10 000. Mais maintenant, faut que je fasse les cellules. Alors, dans les cellules, on va prendre plutôt un sol indoor. On va prendre. Ah oui, alors, on va mettre du carrelage. Bien évidemment. Dans la cuisine, mais bien évidemment dans la douche. Et ça coûte cher, hein. Et on va mettre du parquet. Du parquet, bon, on va mettre du parquet où, tiens? Ouais, c'est une bonne question ça. Du parquet, mais où? Dans la laverie, on va mettre du carrelage aussi. Ça coûte cher le carrelage. Hein. Et on va mettre du parquet dans les cellules, écoutez, non? Non, dans le cellule, c'est pas du. Dans le cellule, on va mettre du concrète. Ah, mais il y a déjà du concrète. Ouais, c'est déjà du concrète. Bon, on va laisser comme ça. Hein. Ouais. Ouais, dites-moi si vous avez. Mais dans la cantine, par contre. On va mettre de la céramique dans la cantine. Pourquoi? Wouah! 12 000! 12 000 de thunes la céramique! 50 $ le... Ouais, on va attendre un peu, hein. Ouais, mais je mettrai de la céramique. Vous voyez, là, ça rend un peu mieux. Voilà, du carrelage dans la cantine. Ouais, c'est... Bon, par contre, là, ils sont en train de préparer la bouffe. Pendant que t'as les ouvriers, ils sont là. Ouais, excusez-nous, on installe. Ici, il va falloir que je mette les chiens. J'ai 7 000. Je regarde combien ça coûte à peu près. Hein, pour les cleps. Alors, les cleps. Bah, j'ai besoin que de cages. Ouais, c'est cool. Kernel. Voilà. On mettra des cages. On fera un petit chenil, un truc sympa. Bon, j'ai peut-être pris une grande salle. Hein. On va peut-être ouais, faire un couloir ou un truc. La salle des familles aussi, il va falloir que je l'aménage un peu plus parce que là... Mais voyez, notre prison, elle ressemble à quelque chose, enfin. Ah, bah tiens, j'oublie ici. Material. Concrete tools.
comme ça. Et là, on va mettre de l'herbe. Voilà. Et on a 7000. Ah, pas mal, hein. Ça gère, hein. Alors, voyons voir. J'ai envie de les voir travailler, nos chers prisonniers. C'est quand l'heure du travail? Je l'ai mis à quelle heure? Bon, ok, c'est dans une heure. Il y a 2 heures de yard. C'est un peu beaucoup, 2 heures de yard. Ouais, je crois que je me suis lâché là sur le yard. Hein. Bientôt, on va pouvoir remettre de la variété pour nos prisonniers. Ouais, on va peut-être attendre. Hein. D'ailleurs, on va en redemander. On va redemander des prisonniers. Voilà, 8 prisonniers de dangerosité normale. Alors, je ne sais pas. On va enlever le planning parce que là c'est moche. Je ne sais absolument pas si les prisonniers au risque vous donnent plus d'argent. Alors ça, si vous le savez, ce serait sympa de répondre. Mais sinon, bah ouais. Donc on va enlever tout ce qui est planning là parce que c'est bon, hein. C'est... C'est bon maintenant. Ouais, à part ça. Wall. Ah merde, alors je sais plus si c'était en haut ou en bas maintenant. Non. C'était là. Voilà. Donc ça, on vire cette partie. Ok. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est nickel. Voilà, il n'y a plus de planning dégueulasse, c'est parfait. À part ici, normalement je crois que j'ai fait le tour. À part ici, mais ça on le fera. Ok, bah c'est nickel. Alors, voilà, et puis voilà, les chemins là, ça ressemble à quelque chose. Ça fait très très prison, hein. Ça fait mort, ça fait pas beau. Alors, oh bah merde. Bah j'ai pas vu le... Oh quel con. J'ai pas vu le work résultat. J'ai pas vu si les prisonniers étaient bien allés ici là. Ah si hein. Stack. Contents. Alors oui, ils fabriquent des trucs. Plates, license plates. D'accord. Alors il faudrait un... Ah mais il me faut un storage. Store. Ah non, il faut qu'ils les vendent. Ok, alors j'ai pas trop bien compris. Alors si vous y connaissez pas mal aussi en... Alors je vais regarder dans les finances peut-être que... Guard wages, workman wages. Je sais pas exactement. Ouais, on peut voir... Ah, ben voilà, ma prison vaut 200 000 et j'ai de quoi la vendre. Voilà, je peux la vendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire encore peut-être un épisode, ouais. Un épisode sur cette prison. Et ensuite, on va pouvoir la vendre et en commencer une autre. Et là, vous allez voir que j'ai des bonnes idées. Juste, on va ouais, on va installer les chiens, je pense, dans le prochain épisode. Ouais, parce qu'on arrive à la fin. Et on verra un peu comment ça marche, cette mécanique. Donc, case supply demand. Oh, putain. On peut voir aussi le menu de la contrebande. J'avais pas fait. Mais il demande des couteaux, des tournevis, de la drogue et des téléphones portables. Supply. Et il stocke beaucoup de couteaux, beaucoup de tournevis, beaucoup de drogue. Ah oui, faut que je fasse gaffe quand même. Là, on va jeter un œil au menu contrebande. Ouais, donc dans la cuisine, bah, c'est tous les... Cuisine, cantine, c'est tous les... Voilà, tous les couverts. Après, dans les bureaux, bah, les téléphones et tout ce que porte l'administration. Et là, faut faire gaffe parce que, hein, drill, des scies, des tournevis, c'est surtout au workshop, ça va pas le faire. Et pareil, dans l'infirmerie... Ah ouais, par contre, dans la salle de sécurité aussi, ils peuvent voler. Là, il y a pas mal de trucs. Il y a du poison, de la drogue. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il y a des prisonniers un peu buggés. On va rajouter des lumières ici. Voilà, parce que c'est pas assez éclairé. Par ici. Voilà. C'est parfait. Ah oui, par ici, j'avais oublié. Auto-saving. Des petites lupiottes. Voilà, parfait, c'est nickel. Ah, oh, open. Alors, combien j'ai gagné? License plate. Ok, ça m'a rapporté 300 dollars.
350, j'ai l'impression. Mais alors, je sais pas exactement comment ça marche. Vous voyez, elles sont là, elles se stackent, mais je sais pas si. Ah oui, d'accord. Par contre, on doit acheter les plaques de métal. Ok. Putain, je gagne de moins en moins. Il faut que j'ai des prisonniers parce que là. Mais alors, est-ce que vous savez s'il faut un storage pour les entreposer? Parce que là, je suis pas. Bref. Donc sur ce, les amis, c'est la fin de cet épisode. On va enlever ce. Voilà. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et un petit commentaire. Et on se rejoint dans la prochaine vidéo. Alors, ouais, cette semaine, je sais pas si je vais peut-être vous en faire une ou deux, mais bon. Ça reste à voir. Allez, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.